C'est confirmé. C'est confirmé. Salut à tous, c'est Seven, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout nouveau prochain Call of Duty World War 2, les gars. C'est officialisé depuis 2 minutes, les gars. Tout le monde, même Charlie Intel, les gars, un très très grand forum par rapport à Call of, a officialisé, vraiment a tweeté que il va y avoir une révélation pour tout le monde entier, en fait, par rapport au prochain Call of Duty qui est World War 2, les gars. Une révélation entière par rapport au jeu, avec des images, des leaks, etc. Vraiment, c'est un gros truc, ok. Je vous mets l'image, les gars, d'ailleurs à l'écran maintenant. Moi-même je l'ai devant moi, les gars, dans Call of Duty World War 2 Worldwide Reveal. Donc voilà, la date, l'heure et tout, donc le 26 avril. Le 26 avril, c'est dans quelques jours, frère. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, je suis super, mais super hype pour ça, les gars. C'est incroyable. Déjà qu'à la base, ça fait des mois qu'on parle d'un certain World War 2, alors qu'on en était même pas sûr. Maintenant, enfin, il est officialisé. Bon, après, je dis pas que ça va être un bon jeu, tu vois. C'est pas forcément parce que c'est à terre que c'est un bon jeu, mais j'espère, tu vois, j'espère. Parce que là, franchement, Call of Duty, tu vois. Allez, on leur donne une dernière chance pour foirer, tu vois. Selon moi, World War 2, c'est le dernier jeu où ils peuvent foirer. Sinon, à part ça, s'ils ratent le prochain Call of Duty, c'est fini. Call of Duty, c'est fini. Bon, en même temps, ceux qui font le prochain Call of Duty, c'est Treyarch. Donc voilà, on peut leur faire confiance. Après cela, il y a Treyarch. Donc vraiment, moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude pour ça, tu vois. C'est vraiment ce jeu-là qui me fait un petit peu stresser par rapport, tu vois, au jeu et tout et tout. J'espère juste qu'ils vont pas nous mettre une code 4-2, tu vois. Genre, ils vont nous mettre une code 4 où tout le monde l'attend pendant 2-3 ans et tout. Et là, au final, quand il est là, après une semaine, personne y joue, tu vois. J'espère juste que c'est pas un truc comme ça parce que les gars, les jeux old school, tu vois, tout le monde commence à, voilà, tout le monde commence à les attendre. Ça fait 2 ou 3 années que toute la communauté demande des jeux vraiment pas futuristes, en fait, des jeux old school, pieds sur terre, les gars. Et là je pense que ça va faire du bien, malgré le fait qu'on a eu un jeu qui soit, voilà quoi, malgré qu'il soit sur terre, c'était vraiment très très mauvais jeu, les gars. Moi personnellement, Code 4, je l'ai détesté. Déjà Code 4 à la base, honnêtement, j'y ai pas beaucoup joué, tu vois. Je suis pas nouveau sur Call of, tu vois. Je suis là depuis MW3 10 ans, j'ai joué vraiment beaucoup MW3 et ça c'est vraiment mon Call of préféré. Mais sinon, à part ça, les gars, Code 4, j'ai vraiment pas beaucoup joué malheureusement, donc je peux pas trop donner mon avis. Mais j'ai essayé quand même quelques fois, voilà, chez des potes et tout, et à ce qui paraît c'est un bon jeu, et je peux le confirmer, les gars. Quand j'ai joué chez mes potes, c'était plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Par contre, là, comme je vous l'ai dit, ça laisse sur stress, tu vois. Ça laisse sous stress. World War 2, World Reveal, avec le, voilà, le petit mec comme ça, wow, petit suspense et tout. Honnêtement, je sais pas si vous allez bien le voir, vous, sur la vidéo en fait, mais vraiment, l'image elle est d'une qualité incroyable. Il y a vraiment le graphisme. Je pense même d'ailleurs que c'est même pas du graphisme, c'est vraiment une vraie photo. Parce que les gars, pour que ça soit aussi proche de la réalité comme ça, je pense que c'est vraiment une vraie photo, tu vois. Le mec il a peut-être des lentilles, ou sinon ça a été fait sur Photoshop ou quoi. Mais vraiment, je pense qu'à la base, tu vois, la peau et tout, c'est vraiment une vraie photo parce que vraiment. Les graphismes, on s'entend pour dire que voilà quoi, dans les photos de World League et tout, dans les photos qui sont leak, dans les photos de la campagne et tout, c'est jamais les mêmes graphismes que dans le jeu en tant que tel, tu vois. Donc voilà, on fait attention à ça quand même parce que voilà quoi, on peut pas avoir de faux espoirs. Moi honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première fois que je n'attends presque rien de Call of, vraiment. Moi voilà, j'ai pas envie de m'attendre à trop gros. Moi, comme je vous l'ai dit avant, les gars, je suis un petit peu sur stress, tu vois. J'ai vraiment pas envie de m'attendre à trop gros, tu vois, parce que si je m'attends à trop gros et que finalement le truc il est là, tu vois, je vais être déçu. Alors qu'en fait, si je m'attends à de la merde mais que le truc il est là, bah ça va être bien. Logique de ouais. Tout le monde est en train de le tweeter en ce moment, tu vois. Là en ce moment je suis sur Twitter, même si vous avez un gameplay en fond, tu vois. Moi je suis sur Twitter, je viens de voir la Sigma qui a tweeté aussi, tant mieux. De toute façon, la vidéo que je suis en train de faire en ce moment là, je l'envoie à la Sigma. Donc voilà, j'espère qu'ils me plaudront, j'espère que la vidéo sera bonne, et j'espère que vous, les abonnés de la Sigma Clan, j'espère que vous aimerez mon commentary. Bah voilà, comment je parle, comment je présente mes vidéos et tout. J'espère que vous kifferez en général, en tout cas. Tout le monde sans exception est en train d'en parler, c'est incroyable. Mais voilà quoi, on est dans la période de l'année où tu vois tout le monde est dans la hype. Tu vois, tout le monde est en train d'en... Voilà, genre... avril, mai, juin... surtout mai. Surtout début mai, fin mai, tu vois, entre mai. Vraiment, c'est la plus grosse période de hype. Parce que c'est généralement là, les leaks, les petites rumeurs qui commencent à partir et tout. Tout mon flux, les gars, tout mon flux est sur Twitter. Je fais que dérouler, tu vois. Il y a que des images. Toujours la même image du mec comme ça, tu vois, waouh. Je dis pas que c'est mal, hein. Ça fout bien la hype. En plus, petite parenthèse, Charlie Intel a atteint les 500 000 abonnés sur Twitter en même temps de l'officialisation. Déjà de base, c'est des anglophones. Ensuite, si tombe sur moi, c'est déjà bien. Donc voilà, gros GG à eux. 500 000 abonnés sur Twitter, les gars, c'est pas rien, vraiment. C'est très très dur d'avancer sur Twitter, tu vois. Genre, les mecs les plus connus, genre dans le game, tu vois, ils ont genre 2 millions, on va dire. Alors que sur YouTube, tu peux aller à 15 millions, 40 millions. PewDiePie, et bon, on s'en fout. C'est quoi, on s'en fout complètement. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, tu vois, je m'attends à rien, comme je vous l'ai dit avant, les gars. Je préfère avoir mes attentes ici pour que, au cas où le jeu soit ici, tu vois, je sois quand même en bas de ce que. Tu m'as compris. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, ça a été un plaisir de découvrir ça. Encore une fois, les gars, si je passe sur la Sigma Clan, gros merci à eux. Je m'appelle Seven, j'ai 16 ans, je viens du Canada. Et voilà quoi, venez vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Je suis quelqu'un qui fait de la performance, mais pas forcément de la performance genre gameplay, tu vois. Genre, j'aime bien les gameplay, j'ai du niveau et tout, mais vraiment, c'est pas sur ça que j'aime focuser. J'aime mieux focuser sur le fun et tout. Sur le fait que vous aimez ma personnalité et tout, tu vois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Moi, personnellement, c'était un kiff. Je vous laisse sur ce, c'était Seven. Peace.
Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, represent, gotta represent, chase a chick, never chase a bitch, chase no bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on.